on est à Rocharno, il y a un blocus depuis ce matin à 7h30. Suite à l'appel de l'Union nationale lycéenne qui appelle au blocus depuis lundi 3 mai. Et nous, ce qu'on veut, c'est un bac en contrôle continu, donc pour les premières et terminales générales, technologiques et professionnelles, et aussi pour les BTS. Parce qu'on a tous eu un enseignement totalement inégal à cause de la crise sanitaire. Certains ont eu cours une semaine sur deux, d'autres une semaine sur trois. On n'est pas du tout au même niveau d'apprentissage, donc on aimerait avoir un bac en contrôle continu pour ça. Voilà. Pour l'instant, les premières passent le bac de français, donc l'écrit et l'oral. Le seul aménagement qu'il y a eu, c'est que pour l'oral, au lieu d'avoir 20 textes obligatoires, on en a 14. Et cette décision, elle a été prise en début d'année, je crois au mois de janvier, un truc comme ça. Et pour les terminales, ce qui change, c'est qu'ils passeront quand même le bac de philo, mais ils prendront la meilleure note entre leur écrit et leur contrôle continu. Sauf que pour nous, c'est pas du tout suffisant parce que ça n'enlève pas d'un les angoisses qu'il y a autour de ça, parce que cette situation, elle est très angoissante pour les trois quarts des lycéens. Que ça soit par rapport... que ce soit le stress des examens ou juste le stress d'être chez nous, puis en présentiel, et puis de ne pas faire les choses correctement, etc. Donc c'est une situation particulièrement angoissante, donc ça ne règle pas ce problème. Et en plus, même s'ils prennent la meilleure note pour les terminales, ils n'ont pris aucune décision pour les premières et pour leur écrit de français, et pas de décision non plus pour les bacs pro. Comment est-ce qu'ils vont faire, surtout ceux qui doivent avoir ceux par exemple en bac pro, restauration, etc., qui n'ont absolument pas pu faire leur apprentissage correctement et qui seront totalement désavantagés par rapport à ça. Nous, ce qu'on veut, c'est de vraies solutions et pas juste qu'on nous dise bah, on choisira, etc., parce que c'est pas assez concret. Donc là, on essaie un peu de trouver les meilleures solutions qui peuvent avantager le maximum de personnes. Et donc le bac en contrôle continu, c'est pour nous en tout cas la meilleure solution. D'accord. Voilà. Là, ce sont des terminales qui sont là ? Non, aujourd'hui, il y a les premières et les secondes et les terminales STI, donc les terminales technologiques. Alors ce matin, on s'est donné rendez-vous avec une petite bande de personnes pour commencer à bloquer avant que les bus arrivent. Donc on a mis des poubelles, etc. pour bloquer les tourniquets. Et suite à ça, notre proviseur adjoint nous a demandé de les enlever en disant qu'on n'avait pas le droit de bloquer un lycée et d'empêcher l'enseignement, sachant qu'il y a quand même plusieurs entrées à Rocharno et qu'on n'en avait bloqué qu'une seule sur les trois. Mais voilà, donc on a respecté ça. Mais malgré ça, on est quand même resté un bon nombre de personnes devant. Et là, ça fait actuellement 2 heures qu'on y est et on est encore une bonne cinquantaine. Ce matin, on était un peu plus, mais voilà, les gens bougent. Certains vont en cours quand ils ont des cours importants, des contrôles, etc. Ce qu'on comprend tout à fait, parce que voilà, même si c'est important d'être là, certains contrôles ne peuvent pas être ratés. Voilà. Il y a le réseau lycéen qui est plus ou moins à l'origine de ça, même si en fait, on a surtout répondu à une demande des lycéens qui voulaient faire en fait une manifestation, un rassemblement, en fait en voyant que ça se bougeait à Simone, étant donné qu'ils ont fait blocus jeudi et vendredi. Donc en voyant que ça se bougeait là-bas, ils ont voulu se bouger nous aussi. Et donc le réseau lycéen, on a fait un peu on a relayé en fait l'information. Voilà. En fait, on va essayer de tenir le blocus le plus longtemps possible aujourd'hui et probablement recommencer demain. Et après la semaine prochaine, c'est les terminales qui prendront le relais. Depuis voilà. En quelle classe ? Moi, je suis en première. Par exemple, il faut savoir que le lycée d'Issingeau, ça fait plus d'une semaine qu'ils bloquent non-stop. Voilà, ils sont assez engagés. Simone Veil, donc ils ont bloqué 2 jours la semaine dernière. Et si je ne me trompe pas, ils vont recommencer cette semaine. Donc voilà, c'est assez... Et à Paris, et dans toutes les grandes villes, grandes ou moyennes ou petites villes, ils bloquent aussi beaucoup. Voilà.